Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. Je commence la journée sur un bon vieux grain bien trempé, une température extérieure qui est relevée à 10 degrés, une température de l'eau à 17 degrés, une marée qui est en train de commencer à descendre. Le plein bas est à midi 20 avec des coefficients de 95. Là, vous voyez les scieries. Sur les scieries, il y a 3 mètres à 3 mètres 50. Entre les scieries, il y a de grosses accalmies. Il y a 2 mètres 50, mais bon, sur ce descendant, on a une houle qui est longue avec 13 secondes de période orientée au secteur ouest à ouest-nord-ouest, une houle qui multiplie et qui est donc à la baisse par rapport à hier. Le vent est au sud-sud-est, il y a 1 à 2 beauforts. Mais bon, la taille est trompeuse là, parce qu'avec le plein d'eau et puis des gros coefs, là ça a tendance à amortir un peu la houle, mais ça va faire un peu comme hier. Dès que la marée va descendre, il va y avoir de la bonne barre au large. Pas de surf à la cano, des conditions uniquement praticables sur les spots de repli favorables par vent de sud. Avant que le vent ne tourne, en effet, pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'amortir lentement, mais un vent qui devrait tourner onshore. La boue Arcachon est à 3,69 m. Ah, c'est pas le soleil, c'est la lune. Et on attend à 13h 3 mètres, encore quelques séries à 3,50 ou ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période avec un vent qui doit passer ouest-nord-ouest à 2-3 Beaufort et à 17h plus que 3 mètres, ou ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période dans ouest-nord-ouest de Beaufort. Une fois de plus, le surf sur les canaux aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Prochain point à 8h30, merci. Thank you.